Van Mont-de-Marsan, le tout premier barrage de Pro D2 du club breton au stade de la Rabine, et c'est le remake du dernier match de la phase régulière. C'était déjà dans l'enceinte bretonne et c'était déjà entre ces deux formations avec une victoire vantaise dimanche dernier. Et pour ce dimanche et ce deuxième barrage de Pro D2, c'est encore les Bretons qui démarrent très fort avec Ambrose Curtis, l'ailier néo-zélandais, qui marque le premier essai du match après seulement 1 minute 30 de jeu. Les près de 8000 supporters debout dans les tribunes de l'Arabine, on apprécie au ralenti ce cadrage débordement, changement de ballon de main une fois, deux fois, le raffut. Trois défenseurs battus plus tard, c'est Van qui mène 7-0. Mais Mont-de-Marsan ne met pas beaucoup de temps à réagir, 4 petites minutes seulement. D'abord avec la puissance des avants, puis c'est Schindler qui crée le point de fixation. Suivez bien Dorian Laborde avec son numéro 13 qui ramasse, percute, rafute et va marquer le premier essai de Mont-de-Marsan. Monsieur Marchat demande tout de même l'arbitrage vidéo avant de valider cet essai. Et la question est simple de l'arbitre de la rencontre. Dorian Laborde avait-il le droit de ramasser ce ballon et d'aller marquer? Était-il le dernier participant au ruck? La réponse est oui, car il n'y avait pas de ruck. Il n'y avait qu'un seul Vantet, le plaqueur au sol, Dan Tuohy. Il aurait fallu un autre soutien pour que le ruck soit formé. Dorian Laborde avait donc tout à fait le droit de ramasser et d'aller marquer cet essai qui est transformé 7 partout. Gerard Fraser, le co-entraîneur Vantet, a le regard fermé car son équipe vient de se faire rattraper. Mais les Vantet déroulent déjà dans cette entame de match. Deux minutes plus tard, Brandon Holder qui casse le plaquage de Netuvi remet au contact pour Gwenaël Duplaine. Deuxième essai breton, le troisième dans ce match après seulement 8 minutes de jeu. Et on apprécie ce lancement parfait, le leurre au centre du terrain et surtout ce travail au contact de Brandon Holder qui libère son ailier. Un essai transformé 14-7 pour Van. Puis 23-10 puisque les Montois sont indisciplinés et ce sont les Bretons qui marquent plusieurs pénalités. Et on retrouve encore cet indécrottable Brandon Holder surtout qui est inarrêtable au centre du terrain. Jamie Jerry Tolagi peut en parler. Essai accordé et transformé 30-10 pour Van à la pause. Et les choses se compliquent vraiment pour Mont-de-Marsan au retour des vestiaires avec ce geste dangereux de Marcelino Polino qui écope d'un carton rouge. Il laisse son équipe à 14, plaquage à l'épaule et au visage. Il Ilsenbeck, l'ouvreur breton, en profite pour donner 3 longueurs d'avance de plus à son équipe. 33-10, 23 points d'avance, mais Van, avec un défenseur de moins en face, continue de dérouler et de marcher sur la défense landaise. C'est Cramon qui vient d'entrer, qui crée le décalage en bout de ligne, le 2 contre 1 pour Ambrose Curtis qui s'offre un doublé. Quatrième essai breton, la transformation d'Ilsenbeck est réussie. 40-10 après 51 minutes de jeu. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Ça continue de se confirmer 4 minutes plus tard avec ce coup de pied rasant magnifique de Pierre Poplin. Et on retrouve encore Ambrose Curtis, l'ailier néo-zélandais, qui s'offre un triplé 45-10 pour le rugby club Van. C'est une démonstration, les Montois qui n'arrivent pas. Ils ne sont pas du tout dans cette partie, ils sont pris partout. Et regardez cette touche perdue avec Anthony Boutier qui déboule et sur 80 mètres, il arrive à battre tout le monde. L'ultime raffut sur Jamie Jerry Tolagi. Essai accordé, il n'est pas transformé. Mais c'est Van qui s'impose 50-10 dans ce tout premier barrage. Les Vantais iront défier Brive à Amédée Domenech la semaine prochaine en demi-finale de Pro D2.